Bonjour, je m'appelle Camélia et je suis étudiante en dernière année de médecine. Dans cette vidéo Ask Doc, je voudrais parler du coronavirus et de la façon dont il pourrait vous affecter. D'après les conseils du gouvernement et de NHS England, le virus corona se propage lorsqu'une personne infectée crache de petites gouttelettes dans l'air. Celles-ci peuvent être respirées ou provoquer une infection si vous touchez une surface sur laquelle elles ont atterri, puis touchez vos yeux, votre nez, ou votre bouche. Pour limiter la propagation et éviter de contracter le virus, il faut se laver les mains avec du savon ou du gel d'alcool fréquemment pendant au moins 20 secondes, en frottant bien les doigts, les pouces individuellement, ainsi que les poignets. Il est important de tousser et éternuer dans les mouchoirs que vous devez ensuite jeter avant de laver vos mains. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez votre manche et évitez de vous toucher le visage avec des mains non lavées. Si vous connaissez des personnes qui présentent des symptômes, évitez surtout tout contact avec elles. Le coronavirus provoque la maladie du COVID-19, ce qui affecte les poumons. Les symptômes commencent par une fièvre suivie d'une toux sèche et peuvent entraîner des difficultés respiratoires. Pour les personnes âgées et celles souffrant d'autres conditions médicales, telles que le diabète et les maladies cardiaques, y compris l'angine de poitrine et l'hypertension, c'est plus dangereux. À partir de ce week-end, les personnes ayant des problèmes de santé devront rester isolées pendant 12 semaines. Les bébés et les enfants sont les plus susceptibles de bien se remettre. Bonjour. Je m'appelle Daphné Gunes et je suis étudiante en 5e année de médecine à l'Université de Manchester. Il faut travailler à domicile. Éviter tout voyage non essentiel. Éviter tout rassemblement, comme dans les restaurants ou au théâtre. Si vous développez une nouvelle toux ou une température supérieure à 37,8 degrés, vous devez rester à la maison pendant 7 jours ou jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Tout le monde dans votre foyer doit également rester à la maison pendant 14 jours. Pour traiter votre fièvre, prenez du paracétamol selon les instructions de votre prescription, c'est-à-dire pas plus de 4 grammes par jour chez les adultes en bonne santé. Restez à une distance d'au moins 3 pas des autres personnes de votre maison. En Angleterre, si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez du mal à vous en sortir à la maison, allez en ligne au 111.nhs.uk ou appelez le 111. N'allez pas chez votre médecin généraliste, chez votre pharmacien ou à l'hôpital. Les 3 messages clés sont les suivants. Premièrement, lavez-vous les mains. Deuxièmement, gardez une distance de sécurité. Troisièmement, si vous êtes malade ou êtes en contact avec une personne malade, restez chez vous. Merci.